Mesdames, Messieurs, le directeur général de l'Union postale universelle, le vice-directeur général de l'Union postale universelle, entre. Ladies and gentlemen, the director general of the UPU and the deputy director general are just entering the room. Ladies and gentlemen, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre des Communications et des Nouvelles Technologies, entrent en salle. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications de la République de Côte d'Ivoire et porte-parole du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Union postale universelle, chers collègues, Messieurs les ministres, secrétaires d'État, ambassadeurs, dirigeants d'organisations internationales, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. En tant que vice-directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle, en ma qualité de président du comité de préparation de cette conférence stratégique mondiale de l'Union postale universelle, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui ici à Genève. Il est important pour l'Union postale universelle, à mi-parcours du cycle, de faire un point, et c'est un point traditionnel désormais, sur sa stratégie. C'est la 6e conférence mondiale sur la stratégie de l'Union postale universelle et cette conférence aurait dû se tenir en République de Côte d'Ivoire. Suite à la décision du Conseil d'administration, nous sommes heureux d'accueillir cette conférence ici à Genève et nous sommes particulièrement fiers de pouvoir remettre cette conférence en main de la République de Côte d'Ivoire. J'invite donc M. Bruno Conné, ministre des Postes, des Télécommunications de la Côte d'Ivoire et porte-parole du gouvernement, président de cette conférence, et j'ai le plaisir de lui donner cette conférence. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs, les ministres, Mesdames, Messieurs les délégués, la Côte d'Ivoire est très honorée de présider cette conférence stratégique et la Côte d'Ivoire est très honorée également de recevoir cette conférence stratégique, d'être l'hôte, même délocalisé, de cette conférence mondiale de l'UPU. Nous avons, comme cela a été annoncé, l'honneur d'avoir avec nous Son Excellence Monsieur Kablan Duncan, Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui représente ici le chef de l'État ivoirien, le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. En tant que président de la conférence, j'aurai le plaisir et l'honneur d'être avec vous aujourd'hui et demain. Et c'est pour cela que je serai très bref dans mon propos d'introduction. Je voudrais donc immédiatement demander
à M. Bichard Hussein, directeur général de l'Union postale universelle, de s'adresser à vous. Je vous remercie. DJ, you have the floor. Your Excellency, the Prime Minister of Côte d'Ivoire, Honorable Duncan Kablan, Your Excellency, the Minister of Posts and ICT of Côte d'Ivoire, Honorable Kone, Your Excellencies, the Ambassadors and High Commissions present, heads of United Nations agencies and other international organizations present, our esteemed CEOs of postal and regulatory organizations present, distinguished speakers, panelists, and moderators, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Salaam alaikum, bonjour, and jumbo. It is my great pleasure to welcome you all to this long-awaited Midterm UPU Strategy Conference. We are delighted to be able to hold this important conference here in Geneva today. But of course, we very much regret that we were not able to do so in Côte d'Ivoire as originally planned. Mr. Prime Minister, I wish to express my profound gratitude to the President, to your good self, and to the government and people of the Republic of Côte d'Ivoire who made every conceivable preparations to receive us in Côte d'Ivoire last year in the true spirit of African hospitality. Your Excellencies, I recall my visit to Abidjan in April 2014. I was full of optimism when Minister Kone and I jointly signed the hosting agreement for the UPU Strategy Conference during that visit. I toured the conference venue and saw for myself the elaborate preparations that were being made to host what promised to be a very successful and memorable conference in Côte d'Ivoire. Unfortunately, my optimism was cut short by a very unfortunate circumstance that could not have been foreseen, and for which Côte d'Ivoire was in no way responsible. And I had to visit your country once again in September to deliver the painful news that we could not hold the conference in Côte d'Ivoire as originally scheduled. Your Excellencies, despite that setback, the government of Côte d'Ivoire has never faltered in its resolve to deliver on its promise to host this conference. I have no doubt that this event, which will bear the name of Côte d'Ivoire, will be a resounding success regardless of the venue. I would kindly request that this August Assembly to join me in honoring Côte d'Ivoire for its leadership and dedication in bringing us together. Let us stand up and give them a big round of applause, please. Thank you. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is with great personal emotion that I find myself back here in Geneva, standing here in this very same room where I had the honor of chairing the 2008 UPU Congress almost 7 years ago. The UPU community is once again gathered in Geneva as one of the oldest members of the United Nations family. In a few moments, we will have the honor of hearing a message from Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, in which he expresses both his strong support for the UPU and his expectations for our union as a United Nations agency, especially in terms of delivering
the development solutions that we all seek. Your Excellencies, we all know that the UPU and the Post represent very important infrastructure for the social and economic development of nations. Furthermore, as a medium for basic communication, posts provide a wide range of products and services to the citizens and businesses of the world, including facilitation of financial, digital, social, and economic inclusion. No other organization, sector, or industry can do what we do. This conference brings together all the stakeholders in the postal sector, including governments, regulators, designated operators, customers, the private sector, academia, and international organizations to discuss, to debate, and share knowledge and experiences with the aim of drawing up a global strategy that will propel our organization into the next cycle. This two-day strategy conference will examine the current global postal sector trends and plot the way forward. It will also provide an opportunity for us to take stock of our progress towards the major goals of the Doha strategy that was set in 2012. Over the past 2 years, the UPU's International Bureau, in partnership with the various union bodies, member countries, and our valued partners and stakeholders, has made remarkable progress towards achieving all the goals, programs, and objectives set by the 25th UPU Congress in Doha. During our 2 days of discussion, we will review some of our accomplishments and assess the challenges and opportunities currently facing the post. We will listen to the voices of our customers and understand their needs. We will shed some of our old principles and embrace new ones as we move forward. By the end of these 2 days, we hope to crystallize a new vision that provides the foundation of the future strategy of the UPU Istanbul Congress cycle. Your Excellencies, ladies and gentlemen, our strategy conference is being held at a key moment in our work cycle. Over the past 2 years, the Deputy Director General and I have had the opportunity to closely examine the past strategies, work plans, and programs of the UPU. We have also had the opportunity to travel across the globe to attend regional postal conferences and meet with government officials, CEOs of posts and regulators, and the private sector and customers to fully understand the business in which we operate, the challenges it presents, and various ways in which we can deal with these challenges. And over the past 2 years, the union councils have held a number of important postal forums to discuss key aspects of our services and make important decisions for our sector and organization. We therefore believe that we are in a position to understand and advise and to keep our ship on an even keel. The program of the strategy conference is built around 9 panel discussions, has been carefully prepared to enable us to gain insights from all our important stakeholders. Over the next 2 days, Your Excellencies, you will hear from some of the best brains on key topics that are central to our future strategy. I would like to offer my sincerest thanks in advance to all the panelists, the CEOs, the heads of postal and international organizations, regulators, and partners for their input. And I also like to recognize the ministers and the vice ministers, Secretary of State of Japan, Cote d'Ivoire, Morocco, Kenya, Hungary, Spain, and Ethiopia, who are honoring us with their presence, among many others, probably whom I have not mentioned here. We expect the speakers to bring fresh perspectives to the way the UPU operates. This is our chance to take a critical look at our organization. Nothing should be off limits, not even our governing conventions, treaties, and regulations. Let us step out of our comfort zones and test new ideas upon which we can build the future of the post. This conference is just the start of a process. The ideas that will emerge will be further refined through 7 regional roundtables that will take place over the next couple of months. The final draft of the strategy document will then be presented to the Council of Administration later this year,
and will undergo final examination at 2016 CS session before being submitted to and endorsed by our Congress in Istanbul in 2016. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank the Deputy Director General and the management and staff of the International Bureau for their great efforts in organizing this conference. I also want to thank the chairmen of the various councils and member countries for their input. And last but not least, I would like to thank again the eminent speakers, panelists, who have agreed to share their knowledge and experience and insights with us. I look forward to our discussions, and I'm confident that together we will make the UPU Strategy Conference a resounding success. Thank you very much for your attention. Merci, Monsieur le Directeur Général, et merci en particulier pour les mots très aimables que vous avez dit sur mon pays, sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Les honorables députés, les honorables délégués, pardon, ici présents, ont pris bonne note de votre message et auront l'occasion de vous écouter davantage cet après-midi et demain, lorsque nous entrerons dans le vif du sujet. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, la Côte d'Ivoire aurait certainement préféré vous recevoir sur son sol. Mais tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre vous en dira davantage. Je voudrais donc, à ce stade de cette cérémonie d'ouverture, vous annoncer ce que a déjà dit Monsieur le Directeur Général, vous annoncer l'intervention de Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, qui aurait bien voulu être des nôtres. Malheureusement, il n'a pas pu se dégager d'engagement pris de longue date. Il a cependant tenu à s'adresser à la conférence stratégique au travers d'un message vidéo que je vous prie maintenant d'écouter. Si la vidéo est prête, je vous prie de la lancer. De la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, Monsieur le Directeur Général du Bureau International de l'Union Postale Unie. Universelle, Pichard. Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, Monsieur le Directeur Général du Bureau International de l'Union Postale Universelle, Pichard Abdirahman Hussein, Mesdames et Messieurs, nous célébrons cette année le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'occasion pour nous, tous les membres de la grande famille des Nations Unies, de nous interroger sur ce que nous pouvons faire de plus pour améliorer la vie des gens partout dans le monde. The Universal Postal Union and postal services across the world play an important role in our shared effort to build a sustainable future. Postal administrations offer essential communications and logistical support. They provide important financial services and make other contributions to social advancement and human well-being. As the world shapes a new sustainable development agenda and strives to address the threat posed by climate change, postal services can and must be part of the solution. Je tiens à remercier la communauté postale mondiale d'élaborer une stratégie qui contribuera à l'édification d'un monde meilleur pour tous. Faisons de 2015 l'année de l'action mondiale, en vous sachant créer
de vos initiatives et de votre dévouement, je vous adresse tous mes voeux de succès pour votre conférence. Merci. Au nom de tous ici, je voudrais remercier M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour avoir pris un peu de son temps pour s'adresser à la communauté postale mondiale, malgré son agenda que nous savons très chargé. C'est un honneur pour nous tous. C'est également la preuve de son attachement à notre Union, ainsi qu'à la mission qu'a celle-ci dans le monde, une mission au service des nations et des peuples. Mesdames, Messieurs, au nom de la République de Côte d'Ivoire, nous allons maintenant dévoiler officiellement le timbre ou l'émission philatélique spécialement émise pour la conférence stratégique en l'honneur de l'UPU et de ses 192 membres. Je voudrais donc inviter Monsieur le Premier ministre à rejoindre... Mesdames, Messieurs, ce timbre, en réalité, présente le premier bureau de poste de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Ce bureau de poste a été construit en 1889 et nous vous le présentons d'abord tel qu'il était. Ensuite, nous vous présenterons le timbre qui a été émis à cette occasion. Et nous vous présenterons ensuite seulement le timbre qui a été émis cette année pour cette conférence stratégique. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, vous pouvez dévoiler le timbre. Donc, vous avez les deux images, le bureau de poste tel qu'il était, en 1895, donc quelques années après sa construction, et ensuite le bureau de poste qui aujourd'hui est devenu un musée, et donc le musée de la ville de Grand Bassam, et vous avez cette deuxième image juste à côté. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous allons vous inviter à dévoiler le deuxième kakemono, donc qui est le bureau de poste tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, et donc c'est le timbre qui est émis en l'honneur de cette conférence stratégique. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, et vous invite à rejoindre vos places. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers délégués, je voudrais à présent... J'attends qu'il porte son casque de traduction. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant donner la parole à M. Bichar Hussein, qui a une annonce particulière à faire. M. Bichar, you have the floor for your announce. Well, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's just a short ceremony here. We would like to honor our chief guest, the Prime Minister, who has come all this way, and the government of Côte d'Ivoire. We have a small gift out there. We want to unveil and give it to them as an honor from Universal Postal Union. So I have the pleasure to invite His Excellency, the Prime Minister, just to accept our small gift from UPU as a symbolical memory of the
Universal Postal Union. Your Excellency, please. Welcome, sir. Il nous a été dit que ce cadeau représente le symbole de la reconnaissance du rôle stratégique joué par la Côte d'Ivoire dans la vie de l'UPU et de son engagement sans faille dans la préparation de la présente conférence stratégique. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, à son tour, va remettre un cadeau à Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Premier Ministre. Je vous invite donc à remettre ce cadeau à Monsieur le Directeur Général. Oui. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, just a small token. It's not so heavy, but a very small one to the managing team. Merci beaucoup. Ce tableau représente un oiseau mythique qui s'appelle le Sankofa, qui regarde derrière lui. Donc le symbole, c'est le retour aux sources. Un avenir radieux ne pouvant se construire sans justement ce regard sur le passé. C'est la symbolique de ce tableau. Je vous remercie. Okay. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Directeur général. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, notre conférence a l'immense honneur d'avoir parmi ses speakers ce jour le Premier ministre du pays hôte, donc de la Côte d'Ivoire. En votre nom à tous, j'ai l'honneur et le grand privilège d'inviter à ce pupitre, Son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Daniel Kablan Duncan. Monsieur le Premier ministre, mon patron, cher patron, je vous prie de bien vouloir rejoindre ce pupitre pour prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre en charge donc des postes et d'éthique. Et encore une fois, grand merci donc à l'équipe managériale donc de l'UPU pour ce beau cadeau qui nous touche beaucoup. Je disais d'ailleurs tout à l'heure au directeur général que je me ferais un plaisir de le remettre donc au président de la République, hein, pour qu'il puisse le mettre dans son bureau. Comme ça, la prochaine fois que vous verrez, vous allez le saluer et il l'aura donc dans son bureau. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de l'Union postale universelle, en abrégé UPU,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UPU, Monsieur le Directeur général du Bureau international de l'UPU, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, distingués participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence stratégique de l'Union postale universelle qui se tient du 13 au 14 avril 2015 à Genève, cette belle et agréable ville suisse. Distingués invités, chers participants, je me réjouis particulièrement de votre présence nombreuse et distinguée dans ce haut lieu de la coopération internationale qu'est la ville de Genève. Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, aurait souhaité effectuer le déplacement de Genève pour procéder lui-même à l'ouverture des travaux de cette importante conférence. Mais il n'a pas pu le faire, car empêché au dernier moment par une importante rencontre sous-régionale. Il me charge donc de vous transmettre ses sincères regrets et toute son amitié en formulant le vœu que vos travaux connaissent un réel succès. Je voudrais par ailleurs saisir cette occasion pour remercier solennellement, au nom du chef de l'État et du peuple ivoirien, les dirigeants de l'UPU ainsi que toute la communauté postale mondiale pour l'honneur qui est fait à notre pays en plaçant la conférence stratégique 2015 de l'UPU sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et sous la présidence de notre pays. Permettez-moi également de féliciter de manière particulière Monsieur Bichar Hussein, directeur général de l'UPU, et Monsieur Pascal Cliva, vice-directeur général de l'UPU, pour les importants résultats obtenus à ce jour. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez tous, cette conférence était prévue pour se tenir à Abidjan les 14 et 15 octobre 2014. Comme rappelé tout à l'heure, toutes les dispositions avaient été prises par l'État ivoirien pour lui assurer un succès total dans la pure tradition ivoirienne et africaine. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais en accord avec l'UPU, nous avons, dans l'intérêt de notre chère Union, convenu de délocaliser cette conférence à Genève. Ceci me rappelle un autre rendez-vous manqué, celui du congrès de l'UPU en Côte d'Ivoire en 2004. Il est d'ailleurs à noter qu'à ce jour, fort heureusement, puisque c'était la raison, aucun cas de contamination de la maladie à virus Ebola n'a été constaté en Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, mais comme aimait le dire feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, découragement n'est pas ivoirien. C'est dire que notre volonté de vous accueillir en terre ivoirienne et africaine demeure totalement intacte. Pour nous, Ivoiriens, la Suisse, et particulièrement Genève, représente toute une histoire, un symbole. En effet, feu le président Houphouët-Boigny avait une grande admiration pour ce beau pays qu'est la Suisse. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays dans le monde, s'est fortement engagée dans la voie royale du développement économique, social, durable et inclusif. La grande ambition du président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, digne héritier de feu Félix Houphouët-Boigny, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est pourquoi, dès la fin de la crise post-électorale en mai 2011, il a assigné au gouvernement trois objectifs majeurs. Premier objectif, le rétablissement de la paix et de la sécurité. Deuxième objectif, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et troisième objectif, la reconstruction et la relance économique. S'agissant de la paix et de la sécurité, en trois ans, l'indice général ivoirien d'insécurité qui mesure le niveau d'insécurité au plan national est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 2014. Celui, donc, des Nations Unies est passé, quant à lui, de 4 à 2. Et il faut souligner ce niveau 2
est équivalent à celui de New York ou de Genève, dans la ville où nous sommes actuellement. En ce qui concerne la réconciliation nationale et la cohésion sociale, l'ouverture, la constance politique, la main tendue du chef de l'État ont permis une décrispation progressive de la vie politique, l'organisation libre pour tous les partis politiques de leur activité sur l'ensemble du territoire national et la perspective favorable pour l'organisation d'élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015. Enfin, au niveau économique, notre pays a réalisé de progrès rapides et soutenus. Ces progrès lui ont permis de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive, avec un taux annuel moyen de 9% au cours des trois dernières années, taux parmi les plus élevés actuellement dans le monde. Au cours de ces trois années, selon le rapport du Fonds monétaire international, le PIB s'est accru de 25% au moins et le PIB par habitant de 15%, dans un contexte d'inflation maîtrisée à 2,6% en 2014, en dessous de la norme communautaire de l'Union monétaire ouest-africaine, qui est de 3%. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces avancées ont été possibles grâce à la mise en œuvre d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à faire du secteur privé, tant national qu'étranger, le principal moteur de la croissance. Ces réformes qui ont favorisé l'attrait économique et financier de la destination Côte d'Ivoire auprès d'investisseurs et partenaires internationaux comprennent notamment les points suivants. L'adoption d'un nouveau code des investissements plus attractif et compétitif en 2012, la création d'entreprises en 24 heures, la création de la haute autorité de la bonne gouvernance, l'adoption d'un cadre réglementaire des partenariats secteur public-secteur privé, la création d'un tribunal de commerce à Abidjan, l'adoption et la révision de codes sectoriels des mines, du pétrole, des télécommunications, des TIC et bien sûr de la poste. Ces réformes structurelles et institutionnelles entreprises par le gouvernement ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa gouvernance et son environnement des affaires avec notamment les résultats suivants. Le classement, deux années de suite, parmi les top 10 des pays les plus réformateurs au monde, selon les rapports du Business 2014 et 2015 du groupe de la Banque mondiale. L'obtention du threshold dans le cadre du programme américain du Millennium Challenge Corporation, MCC. La probable éligibilité de notre pays dès cette année 2015 à l'initiative internationale Open Government Partnership. Le maintien du statut de la Côte d'Ivoire de pays conforme dans les industries extractives ITE obtenu en mai 2013 et le prix en décembre 2014 du Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier devant la Finlande, le Pérou et la Serbie. Excellences, Mesdames et Messieurs, après ce tour d'horizon général, quelle est la situation spécifique du secteur des TIC et du secteur postal en Côte d'Ivoire? Le développement du secteur des TIC est soutenu. En effet, les TIC représentent entre 7 et 8% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire et contribuent annuellement pour 300 à 400 milliards de francs CFA au budget de l'État, avec 20 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 22 millions d'abonnés sur une population de 23 millions d'habitants, soit un taux de pénétration au niveau des cellulaires de 95,6%, figurant ainsi parmi les taux les plus élevés en Afrique. Par ailleurs, le gouvernement, en vue d'accélérer le progrès économique et social, a entrepris le câblage du territoire national avec la construction du réseau national en fibre optique de 7000 km. 2000 km sont actuellement achevés. Il s'agit d'accélérer le développement de plusieurs secteurs économiques par la transition numérique de la société ivoirienne en utilisant fortement les TIC dans différents secteurs et notamment l'administration publique, l'agriculture, les finances, l'école, la santé, entre autres. La politique pour asseoir cette transition numérique se traduit également par la mise en service du réseau CDMA qui assure la connexion à ce jour de 1000 localités à l'intérieur du pays, permettant ainsi aux différentes composantes de notre administration de mieux communiquer entre elles. Le lancement effectif
du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion, le lancement prochain du projet de construction de 3000 cybercentres communautaires, l'aménagement en cours de la zone franche, la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication, en abrégé le VITIB, le renforcement des capacités humaines, car comme chacun sait, il n'est de ressources que d'hommes, avec la création de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, en abrégé ESATIC. L'objectif de ce centre d'excellence est de disposer de ressources humaines fortement qualifiées pour permettre à notre pays d'entrer de plein pied de façon irréversible dans l'ère du numérique. Excellences, mesdames et messieurs, l'activité postale, quant à elle, consiste depuis son origine à la mise en relation des hommes, au transport des valeurs économiques tant physiques que financières. Elle a toujours été porteuse de création de richesses des nations. Dans la stratégie de la Côte d'Ivoire, en vue de l'émergence en 2020, le secteur postal occupe ainsi une place de choix. L'action conduite dans ce domaine par notre gouvernement se décline en deux principaux axes. Le premier axe aura consisté en la prise d'un nouveau code postal qui ouvre ce secteur formellement à la concurrence et en organise la régulation avec pour objectif essentiel la création d'un écosystème équitable pour l'ensemble des acteurs économiques et inclusif pour le service à la population en tout lieu sur le territoire national. Le deuxième axe est relatif au redressement et à la relance de la société La Poste Côte d'Ivoire en vue d'en faire un véritable outil au service du développement économique et social. À ce jour, ce plan se déroule normalement. La société Poste Côte d'Ivoire, à travers notamment ses nouvelles activités, est redevenue rentable et viable. Excellences, mesdames et messieurs, vous avez choisi comme thème de vos travaux apporter des solutions de développement innovantes, intégrées et inclusives. Je voudrais me permettre de vous en féliciter. En effet, pour mieux servir les populations de la façon la plus inclusive qui soit, il nous faut rester mobilisés et en éveil dans un monde en perpétuelle évolution où les technologies de l'information et de la communication révolutionnent les relations humaines et les normes sociétales. Ces technologies apportent des solutions innovantes et indispensables au développement harmonieux de l'humanité. Sachons donc en user pour un service postal moderne, prospectif et qui tient lieu de vecteur pour un développement durable et inclusif. Excellences, mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je tiens à souligner que tous, nous avons le défi d'assurer une croissance économique soutenue qui passe par un développement inclusif du commerce mondial, avec notamment une Afrique totalement intégrée. Tous, nous avons à relever le défi de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté dans nos pays respectifs. Tous, nous avons le devoir et l'obligation de faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux services dans les meilleures conditions possibles. Tous, nous devons continuellement ouvrir de nouveaux horizons pour un monde meilleur. Il est à souligner que tous ces défis devraient être aussi des opportunités pour le secteur postal. Tous, nous devons donc continuer à améliorer ces infrastructures et son fonctionnement au plan mondial pour soutenir le développement de nos pays. Excellences, mesdames et messieurs, au vu des défis surmentionnés, vous pouvez être assurés que nous, gouvernement, citoyens et organisations de la société civile, appuierons constamment votre engagement à apporter des solutions innovantes pour un développement postal inclusif. La Côte d'Ivoire veut demeurer parmi les acteurs du changement dans ce monde, en constant mouvement, et participer à côté de l'UPU à la construction de la Poste du futur. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire, après les deux rendez-vous manqués, à savoir le Congrès mondial de l'UPU en 2004 et la conférence stratégique de l'UPU en 2014, et comme je le disais tantôt, découragement n'est pas ivoirien, la Côte d'Ivoire, dis-je, serait très heureuse et honorée d'accueillir le Congrès mondial de l'UPU en 2020. Merci.
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués délégués, chers participants, c'est avec cet espoir et avec nos vifs encouragements pour la pleine réussite de vos assises que je déclare au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, ouvert les travaux de la Conférence stratégique mondiale 2015 de l'Union postale universelle. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, je voudrais en votre nom à tous chaleureusement remercier Monsieur le Premier ministre pour ce discours très précis, très détaillé, qui présente longuement la Côte d'Ivoire et ses perspectives et qui présente également d'une façon précise le thème qui va être traité au cours de cette conférence stratégique. Tout à l'heure, nous devions, avant le discours de Monsieur le Premier ministre, vous présenter un court film sur la Côte d'Ivoire. Cela n'a pu être fait pour des raisons techniques, mais il me semble que désormais tout est rentré dans l'ordre. Je suis donc heureux, Monsieur le Premier ministre, si vous en convenez, de vous donner cette image visuelle de la Côte d'Ivoire à travers ce petit film de 3 minutes. Vous pouvez le lancer. Merci. Welcome to Côte d'Ivoire, land of hospitality and hope, an ethnic melting pot of cultural diversity. Welcome from an amazing people. A people led by an unshakable faith in the future. Faith that leads us to take the biggest risks, face the biggest challenges. A people whose joie de vivre is the key to the vitality of its consumer society. Of renewing itself and showing a strong and sustainable growth thanks to investments in its infrastructures and human capital and to the creation of new opportunities in fields such as agribusiness, renewable energy, information and communication technology, mines and hydrocarbon. Of great ambition, wanting to be amongst emerging countries by 2020. A country with the ambition to succeed in ensuring that the courageous institutional and sector reforms are defined in order to sustain political stability and security, in order to enhance the business climate, in order to favor the creative genius of its people and those willing to work with them in the vision. Welcome to the gate of an awakening West Africa. Access to a 300 million people market as we are the driving force of the sub-region, the microcosm of its culture. Welcome to Côte d'Ivoire, starting this wonderful adventure of social and economic development. Thank you for believing in us. Thank you for believing in our country. Thank you for coming with us in this new economic momentum, because best opportunities are here.
Merci, merci, mesdames, messieurs, pour vos applaudissements. Nous espérons que ce court film vous permet d'avoir une meilleure idée du pays qui est prêt à vous accueillir chaque fois que vous le souhaiterez et qui est en particulier prêt à vous accueillir pour le congrès de 2020. Mesdames et messieurs, honorables délégués, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le directeur général de l'UPU, Monsieur le vice-directeur général et moi-même participerons dans quelques minutes en votre nom à une conférence de presse. Auparavant, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer que la Côte d'Ivoire et son Premier ministre ici présent vous invitent tous, et j'espère que vous serez tous là sans exception, vous invite à la réception organisée par la Côte d'Ivoire, ici même, au CICG, ce soir, à 19h, à 18h30, je crois, 18h30, ici même. Nous nous réjouissons d'avance de vous y accueillir. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur le vice-directeur général, qui a quelques annonces à vous faire. Donc, nous allons, après cette clôture de la cérémonie d'ouverture, nous allons nous retrouver donc tout à l'heure à 14h pour entamer nos travaux. Je vous remercie. Merci. Simplement, pour le bon ordre des choses, nous allons laisser d'abord le Premier ministre, le ministre et le secrétaire général sortir de la salle. Je rappelle pour les journalistes qu'il y a un point de presse qui est prévu à la salle 8. Je rappelle pour celles et ceux qui sont conviés au déjeuner offert par le président du conseil d'administration du Qatar que ce déjeuner aura lieu au deuxième étage à partir de 12h30. Et comme vient de le dire le président de cette conférence, nous reprenons nos travaux pour entrer dans le vif du sujet dès 14h. Soyez à l'heure, puisqu'il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus aussi à distance, et donc pour nous et pour les modérateurs à qui on souhaite d'ores et déjà bonne chance, nous nous retrouvons à 14h. Merci et bon appétit à tous.